Donc là, tu fais un plan du musée. Je fais un plan du musée pour disposer les équipes et ensuite pouvoir négocier leur implantation au final. Et qu'on puisse revenir dessus, puisque certaines équipes visent des plans, visent des lieux identiques sur lesquels il va falloir qu'on fasse une sélection. Dans ce cas-là, ouais, faut revenir parce que ça fait plus la tête hier soir là-dessus. Ouais. Ce matin, on n'était toujours pas d'accord. Non, mais c'est pas un problème. Et on a c'est dit juste en avance. Vu le nombre d'espaces, vous risquez d'être en concurrence avec d'autres lieux. Oui, on le trouvera. C'est vrai qu'on se voyait bien dans l'espace défi entraînement, donc elle est apparemment convoité par plusieurs équipes. On invite le visiteur à faire une partie de foot avec des ballons de différentes époques. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'éléments de collection. Voilà. Du poteau carré. Mmh. Le meilleur espace pour eux, c'est quand même celui-là. Ouais. On verra après l'idée qu'on avait de faire une circulation intérieure. La question, c'est est-ce qu'on peut enlever complètement le truc des scripts parce qu'ils s'en serviront pas. Et le petit meuble. Enfin, l'équipe sur le sport extrême. Ouais. Là où on s'est vu la vitrine de patin à glace. C'est pas forcément celle de patin à glace. On va voir une des bornes qui est la plus utilisée dans le lieu. Vous faites toujours de la projection au sol. Ça n'a pas changé. Non. Ok. Cette vidéo va ensuite nous amener, alors soit peut-être par un son. Je sais pas si on a l'idée du son, est-ce qu'on le garde ou pas. Non, mais restez là, on va voir pour gérer le son derrière.